Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre. Psaume 118, strophe 12.
subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi nous fait bénissons, je bénissais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le beau. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 10. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases, cela qui dise la langue et notre forme. Nos lèvres sont pour nous discerner notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève, déclare le Seigneur.
Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, Monseigneur Albert Rouet, le Christ des Béatitudes. Le premier mot que Jésus adresse aux foules et à ses disciples, qu'il appelle autour de lui sur la montagne, ce premier mot, c'est « heureux ». Qui que vous soyez, vous avez tous du bonheur à une idée certaine. Vous le souhaitez peut-être, l'avez-vous connu, vous désirez le rencontrer. Vous voulez le garder, et même si vous ne savez pas en donner la définition, le bonheur vous dit quelque chose. Le premier mot du Christ est « heureux ». Étrange, on attendait du Messie des mots qui tirent « scinde », « coupe », « tranche » et « classe », parfois qui condamnent. Le premier mot du Christ pour nous est « heureux ». Cette jonction s'adresse à des gens qui sont dans une situation où ils n'ont aucune idée d'être heureux. Ils sont pauvres, travaillent pour la paix, souffrent de la persécution. Ils sont dans les larmes, heureux, et ils n'en savent rien. Quand ils ne savent rien, ceux qui soignent le Christ dans les pauvres. Voilà qu'est prononcée sur eux une parole dont ils n'ont même pas idée. Voilà qu'est prononcé sur eux par quelqu'un un mot qu'on n'attendait pas du Messie. Pourquoi le Christ commence-t-il par ce premier mot que, depuis la plus tendre enfance, on attend comme une caresse, qui nous aide à vivre, pousse des gens à commettre les pires folies, à quitter femme, famille, métier, à la poursuite d'un illusoire bonheur, mais quand même à la poursuite du bonheur. Pourquoi ce mot nous fait-il tant courir? Le Christ qui le prononce ne pouvait pas commencer autrement. En leur disant « heureux », Jésus dit qu'il est à des hommes qui cherchent qui ils sont.
Il communie au plus profond de ce qu'il a dans le cœur de l'homme, l'image de son Père. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Ses seules capacités n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés. Nous disons cela avec un langage que nous n'apprenons pas de la sagesse humaine, mais que nous apprenons de l'Esprit. Nous comprenons, nous comparons entre elles les réalités spirituelles. L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l'y soumettre. Car il est écrit, « Qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra l'instruire ?» Eh bien nous, nous avons la pensée du Christ. Gloire au Dieu vivant, gloire à toi, gloire. Gloire.
Dans le texte que nous venons d'entendre, saint Paul nous enseigne sur certains aspects de la vie dans l'esprit. On connaît l'enseignement de saint Paul sur la justification. L'homme est justifié par la foi. Mais après la justification, que faut-il faire? Eh bien, c'est là le rôle de la vie dans l'esprit, nous conduire sur un chemin de conversion permanente. Saint Paul commence par comparer notre cœur à celui de Dieu. Après les découvertes de la psychologie au XXe siècle, on sait plus que jamais que notre cœur est d'une profondeur immense. Cependant, notre esprit peut l'explorer. Cela fait partie de l'expérience de tous les jours. De même pour Dieu. Il est d'une profondeur encore plus immense, insondable. Eh bien, l'Esprit de Dieu peut le connaître. Pour l'Esprit de Dieu, rien n'est secret. Ce qu'il nous faut apprendre, c'est que cet Esprit de Dieu que nous avons reçu, nous l'avons reçu par les sacrements. Ce n'est pas l'Esprit du monde, cet Esprit des réalités opposées à Dieu. Cet Esprit de Dieu parle en nos cœurs. Il nous parle notamment des dons que Dieu nous a accordés. Ainsi, nous pouvons en faire mémoire et faire de nos vies une grande action de grâce. Cela ne peut pas venir de nous-mêmes. Ce n'est pas par les forces de notre esprit livré à lui-même que nous pouvons y parvenir. D'où les limites de l'introspection. Si elle n'est pas placée dans la mouvance de la dynamique de l'Esprit de Dieu, elle ne peut pas nous mener bien loin. Saint Paul oppose ainsi ce que nous apprenons par l'Esprit de Dieu et l'homme livré à ses seules capacités. C'est l'Esprit qui permet de discerner, et cela, et celui qui est mu par l'Esprit, peut aussi discerner bien des choses qui restent un obstacle pour celui qui est livré à ses seules capacités. Voilà, frères et sœurs, ce qui doit nous porter à réfléchir sur le rôle de l'Esprit-Saint dans nos vies. Dans nos existences, notre esprit est actif et nous faisons en permanence des choix. Certains sont guidés par le simple bon sens et cela ne porte pas à conséquence. Mais il y a des choix qui engagent vraiment notre vie, qui se veut orienter à la suite du Seigneur, et nous devons alors écouter ce que nous dit l'Esprit-Saint. Apprenons à vivre dans sa mouvance. La liturgie est une école où nous apprenons à écouter l'Esprit Saint. Faisons passer cet enseignement dans notre vie et elle deviendra une liturgie sacrée où tous nos choix et décisions seront guidés par l'Esprit Saint. Viens, Esprit, dans nos vies. Apprends-nous à vivre de ta vie.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les pays les plus durement touchés par le coronavirus, afin que l'épidémie y recule. Seigneur, Seigneur, nous te prions pour notre pays, pour que la situation ne nécessite pas un nouveau confinement. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les élèves et les étudiants, afin que la rentrée se passe bien. Seigneur, Seigneur, par ton Esprit, tu nous ouvres à la prière véritable. Par ton Saint-Esprit, nous pouvons dire « Abba, Père ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut.
ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein. Confite mihi Domino, quoniam bonus. Confite